hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là, j'en profite un petit peu parce que je suis en forme. Parce que j'ai pris 3 petits jours de congé avant le week-end. Vous savez, au 1er mai, pas du tout, 1er novembre, c'était férié. Donc moi, j'ai pris jeudi, vendredi pour me faire 5 petits jours. Et au bout du 4e jour, j'en vois le bénéfice. Donc mon corps a quand même mis... Ça a commencé à aller mieux depuis hier. Mais sinon, ouais, mon corps, à chaque fois, il met quand même 2 jours pour se remettre. Pour dire que je suis bien, que j'ai de l'énergie de faire des choses, enfin voilà. Donc c'est pour ça que les dernières semaines, je ne vous ai pas prise, parce que l'intensité du métier mélangée à la vie de famille a été très très intense, surtout que j'ai eu un mois de septembre assez compliqué au niveau du travail. Voilà, j'ai eu un petit qui demandait beaucoup 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 de présence et d'attention. Ça a fait que ça a perturbé le groupe, ça a fait que ça a tiré sur moi, sur mon état physique et mental. Donc voilà, donc je vous cache pas que les week-ends, j'étais un légume. Voilà, j'avais surtout le samedi, j'avais vraiment tout qui retombait, toute la pression de la semaine. Et donc jour de ça retombait tout le samedi, et puis bah, le dimanche il fallait que je me remette quand même à me rebouger parce qu'il fallait préparer la semaine suivante. Donc ça a été assez moralement, physiquement très difficile à tenir. Il n'y peut rien, mais notre Dylan a eu un accident de scooter, donc ça n'a pas arrangé la chose. Donc ça fait maintenant 2 semaines qu'il est en arrêt, on en a encore 4 à faire. Rien de bien méchant, hein. Il s'est cassé un os au niveau de la cheville, donc pour le moment il peut pas bouger, mais on a l'infirmière qui vient tous les matins pour la piqûre ou faire des prises de sang une fois par semaine, enfin tout un truc. c'est pas la fin du monde, hein. Mais je vous cache pas que d'avoir l'infirmière qui passe tous les matins à 10h30, 11h, c'est un peu chiant, quoi. Surtout le week-end quand on a envie de rester en pyjama, vous voyez le truc là, le jour on a envie de rester sous la couette, on a les cheveux ébouriffés, la maison est en bordel, et on se dit eh non, il y a l'infirmière. Donc déjà faut réveiller l'ado, hein, pour commencer, et puis bon bah nous faut essayer de ressembler à quelque chose quand même pour lui ouvrir la porte. Parce que bon, Halloween c'est fini, hein. Donc voilà, donc c'était ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de beau? Bah, je suis contente de vous retrouver quand même, hein. C'est pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc là on est samedi, j'ai une to-do list qui j'avance un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des choses, en fait je suis dans l'ambiguïté de j'ai envie de faire plein de choses. Surtout une pièce à ranger au sous-sol. J'ai envie de faire plein de choses, mais en même temps j'ai tellement peur de trop faire et de reprendre après en étant fatiguée, sachant que bah, une reprise après des vacances, parce que j'ai des petits qui étaient en vacances, voilà, faut que tout le monde reprenne son rythme. Bon, des fois c'est pas forcément facile pour les petits, donc faut être armé de patience, voilà. Donc j'ai peur que moi, si je suis trop fatiguée, ça fasse que je reprenne un peu de travers, quoi. Sachant qu'il faut tenir jusqu'aux vacances de Noël. Donc on a quand même quasiment 2 mois plein à faire. Donc il faut avoir l'énergie et la solidité qu'il faut. Donc voilà. Ouais, et puis après, nous, de notre côté, on a plein de projets là avec Teddy au niveau de la maison. Là, j'ai une bonne nouvelle au niveau de la mairie ce matin parce qu'on a une demande à faire. Je vous en parlerai un peu plus tard, une fois que tout sera officiel. On attend encore une réponse. Et puis après, si ça se fait, on a 3 zones minimum. Moi, j'aimerais bien une 4e en travaux, de beaux travaux. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est aussi bien pour la vie pro que pour la vie perso. Parce que j'ai vraiment un projet au niveau de la vie perso d'agrandissement, d'aménagement différente au niveau de ma pièce d'accueil, que là je vous parle à l'heure actuelle, je suis dedans. Voilà, j'ai besoin qu'on pousse les murs, mais qu'en même temps on enlève tout ce qui traîne dans notre vie perso de notre vie de ma vie pro, en fait, finalement, que ça fasse vraiment 2 zones distinctes. Mais ça fait qu'il va falloir faire de beaux travaux dans la maison pour pouvoir y accéder à tout ça. Et en même temps que chacun des enfants puisse avoir son espace aussi personnel, nous le nôtre, enfin voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de travaux, hein. On a quand même... je pense qu'on part sur 1 à 2 années de... Je dirais, ouais,
Je vais être large, mais je pense sur 2 années de travaux, parce que bah, comme dirait l'autre, on va en faire le. Enfin, ça va être tout par nous-mêmes. Hein. Donc, c'est des travaux où ça va être que nous qui allons devoir le faire. Peut-être si on prend. Si on touche un des murs porteurs, peut-être que là, on fera appel à un professionnel. Mais sinon, ça sera normalement que de nous-mêmes. Donc, Teddy, moi. Peut-être de temps en temps quelques amis, mais on n'y compte pas. Hein. Nous, on n'est pas à se dire on fait des travaux parce qu'on a des amis. Non, non, pas du tout. Nous, on fait des travaux parce qu'on a nos deux mains à l'un et à l'autre. Donc c'est sûr que ça, voilà, faudra faire ça le week-end. Mais moi, le week-end, il faut aussi que je prépare la maison en conséquence par rapport à mes petits accueillis, notre vie de famille. Donc, comment vous dire que travailler le week-end, il reste pas beaucoup de temps. Hein. Donc, c'est pour ça que je me dis pas dans un an et demi, c'est fini. Je me dis plutôt dans 2 ans, c'est fini. Mais en même temps, ça me fout tellement les boules de me dire faut que j'attende 2 ans. Parce que je suis d'une nature pas du tout patiente. Ça, faut le savoir. Donc, c'est un vrai challenge pour moi, mais en même temps, normalement, un aboutissement au bout et une vie voilà, professionnelle qui sera vraiment. Enfin, une qualité pour mon lieu professionnel qui sera vraiment, je pense, là, au summum que de ce que je pourrais faire. Donc voilà les nouvelles. Bon, ma commande H2O vient tout juste d'arriver. Je suis trop contente. Ça avait un petit peu tardé, mais bon, bah, j'en veux pas à la conseillère. Il y a des aléas un peu comme tout le monde. Et bah, je vais vous montrer ça en même temps que moi pour vous découvrir tout ça. Parce que franchement, il y a des trucs que je me souviens plus trop. Je sais que j'avais commandé mon super tapis. J'ai pris la taille moyenne sur le super tapis parce que vous savez, c'est le tapis. Alors, je sais pas pour ceux qui connaissent pas H2O, en gros, c'est des produits naturels et qui évitent tout produit chimique. Donc, par exemple, ce matin, j'ai fait mes carreaux avec les chiffonnettes H2O et j'ai mis aucun produit à part de l'eau et c'est tout. Et comme on peut voir, j'ai zéro trace. Donc, c'est trop trop bien. Et là, le tapis, en fait, c'est un tapis qui me fait de l'œil depuis longtemps. Mais vu qu'il y avait une petite promo quand j'ai fait la réunion avec mon ami, et bah, j'en ai sauté. J'ai sauté sur l'occasion. Et donc en fait c'est un tapis qui absorbe l'eau quand les gens rentrent dans nos maisons ou les enfants. Et ça fait que bah il absorbe l'eau de la chaussure et une fois qu'il passe le tapis, il n'y a plus d'eau sur le sol. Et comment vous dire, sur mon entrée où tous les parents passent matin et soir, que j'ai une moyenne de 5 à 10 parents par jour, ici, mon entrée ici est tout le temps jusqu'à mes escaliers et tout le temps dégoûtant. Donc là il y a un micro tapis. J'ai genre 2 parents qui restent dessus. Et pourtant j'ai un paillasson à l'entrée. Mais c'est. Voilà, j'ai ça, c'est un truc tout con que j'avais pris chez Action. Donc ça faisait un petit peu la job, mais pas trop. Donc là je vais mettre ça dehors à la place. Et puis on verra ce que ça va donner. Ah, c'est le téléphone à Fanny, je vais lui dire. Mais on verra ce que ça va donner, surtout que la saison des pluies a commencé, donc ça tombe pas plus mal qu'il arrive à ce moment-là. Bon, je vais vous poser. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà! Reprenons nos belles habitudes. Donc voilà, donc j'espère que je monte un peu sur les pieds. Et j'ai pris ce petit gant. Ah, attendez, je vais vous dire à Fanny. Et donc j'ai pris ce gant. Alors c'est pas un gant de toilette, c'est un gant pour faire le ménage. Et en plus il y a le petit trait au milieu. Donc ça attrape toute la poussière et ça tombe à pic parce que demain c'est journée grand ménage. Donc je vais pouvoir le tester parce que j'en ai marre des plumeaux qu'on jette chez une grande marque. Oui, tu as beaucoup d'appels. Elle est contente. Ensuite j'ai pris les nouvelles éponges donc j'ai pris les nouvelles éponges, donc un petit tout doux à côté grattant, et ça c'est super parce que franchement je n'achète plus du tout d'éponges du commerce qu'on jette, et là il m'en fallait pour compléter un petit peu dans la maison parce qu'il y a des anciennes qu'on n'aimait pas trop, celles qui étaient toutes fines on les aimait pas trop, donc celles là on les utilise pour les salles, les points d'eau quoi, la salle de bain et tout, mais ça pour faire la vaisselle c'est top. Et j'avais pris celle-ci et ben je crois que c'est la même en taille plus grande, ou alors c'était mon cadeau peut-être, ça devait être mon cadeau en taille plus grande pour voir ce que ça donnait ce format là après c'est vrai que quand c'est trop grand j'aime pas trop les grands formats. Oups. Donc voilà. Et
ça tombe à pic parce que Fanny a, comment dire, taché son manteau. Et pourtant hier j'avais pris du vanish au magasin, mais j'aime pas le vanish quand on fait trop tremper, ça absorbe la couleur du vêtement et j'aime pas trop ça. Mais bon, j'avais pris parce que je savais pas trop quand est-ce que ma commande H2O est arrivée vu que ça tardait un petit peu. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurai ce qu'il faut. Mais celui-là, c'est Octipur et c'est trop trop bien parce qu'on peut voilà, détacher le linge. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nettoyer, je crois, nos éviers avec. Enfin, faut que je relisse tout. Il y a plusieurs utilités que j'utilisais pas tout pour ça. Moi, j'utilisais juste pour détacher le linge. Mais je sais qu'elle m'expliquait la... le blanchir aussi. Oui, c'est ça, blanchissement de l'émail, des tartres. Enfin, voilà. Il y a plein de possibilités avec ce produit-là. Et la dernière fois, je l'ai pris... Ça date de hyper longtemps, c'était avec une collègue. Ouais, je sais même plus tellement que ça fait longtemps. Donc vu que c'est de la petite poudre, c'est vraiment de la petite poudre qu'on utilise à petit... Enfin, c'est vraiment des granules quoi qu'on prend. Donc voilà, et donc bon, ça c'est le petit truc qui va avec, mais que j'utilise pas forcément. Donc voilà pour ma commande, donc je vais pouvoir tester pour mettre mon nouveau tapis. Et bon, j'aurai le verdict d'ici lundi mardi quand il va se mettre à pleuvoir et que je vais bosser. Voilà. Bon. Allez, je vais ranger tout ça et ça c'est la bonne nouvelle, je suis bien contente. Sinon, pour les loulous, là j'étais en train de préparer ma pièce, faut que je prenne juste un livre qui me manque. Parce que comme je vous disais, on fait le thème du corps humain avec les bébés et j'ai un super livre dans ma bibliothèque. Enfin bibliothèque, il y a une étagère. Mais parce que j'ai d'autres rangements de livres ailleurs dans la maison. Et j'ai ce super livre là, si vous travaillez ça avec vos enfants... ou les petits que vous gardez si vous êtes asthmate comme moi, et bah c'est un très 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 beau livre. Bon, pour finir la journée, on a été à Ikea avec Teddy vite fait. Elle a gaspillé des sous. Oui, et encore pourquoi? Pas bon travail. Oui, comme dit Winnie, pour les bébés. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, c'est quand même beaucoup plus ça. Enfin, ces dernières années. Mais sinon, pour me rattraper, j'ai acheté un deuxième oreiller pour le lit de Fanny, parce qu'elle en voulait un deuxième. Et je les prends toujours chez IKEA, parce qu'ils sont hyper bien. Enfin, ils sont résistants, ils sont moelleux, ils sont confortables. Et à chaque fois, je prends la petite housse pour l'accompagner, pour le côté hygiène, comme ça on peut laver. On a repris une poubelle, ils avaient mis des promos sur les poubelles. Donc ça tombe à pic, comme ça il y en aura une dans la salle de bain, une dans les toilettes du rez-de-chaussée. Et pour le travail, donc je vais tenter la peinture de chez IKEA. Et en fait, je l'ai surtout prise, c'est pour ces couleurs-là, là. Les deux couleurs pour nos thèmes de Noël. Mais voilà. Et a priori, soi-disant, il y a de la paillette. Il y a des paillettes aussi, c'est un peu pailleté. Je ne connais pas du tout. Donc on va tester, on verra. J'espère qu'elles seront bien quand même. Et donc j'ai pris des tabliers aussi pour les bébés, pour la peinture. Donc c'est simple. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même grands. Ça fait vraiment pour les enfants de... Ouais, 2-3 ans quand même. Donc pour mes petites puces d'un an et demi, il faut que je retrousse bien les manches. Mais ce que j'ai déjà, c'est les tabliers pour les repas. Sauf que bah, ça devient trop court pour faire de la peinture, pour protéger bien les pulls en bas des pulls et les pantalons et tout. Donc j'en ai pris deux comme ça. Mes trois artistes, ils auront chacun leur tablier. Et j'ai vu ça. Un bac où je vais pouvoir ranger tout ce qui est peinture. Donc voilà, avec les pinceaux et tout, je pense que ça va être hyper pratique pour moi pour ranger, pour m'y retrouver que dans mon tiroir là où c'est un peu le foutoir. Donc, puis en plus on peut le prendre, enfin bon ça, le côté prendre, c'est pas l'utilité première que je veux en faire, mais bon voilà. Donc c'est super. Alors par contre le prix je peux pas vous dire parce qu'on est passé à la caisse. Enfin je regarde sur mon ticket parce que je n'ai aucune idée du prix. On l'a pris mais on n'a même pas trouvé le prix de cette petite chose. Donc je vous ai même pas. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, trois boîtes de rangement de ce format-là. C'est pour pouvoir ranger toutes mes activités, enfin tout ce que j'ai besoin pour chaque thème. Donc là par exemple Halloween, l'automne, il va y avoir la banquise, il y aura Noël. Enfin j'en aurais pas assez de boîtes mais j'ai fait exprès de prendre ce format là parce que d'une ils sont pas chers à Ikea. Et ils sont plus résistants que ceux qu'on peut trouver chez Action.
et c'est pour que dans mes placards de rangement j'ai toujours le même format et que je puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc même si je veux mettre une petite étiquette, je pourrais voir ce dont j'ai, ce que j'ai, et au cas où si j'ai besoin de prendre dans une boîte sur un thème pour utiliser sur un autre thème, au moins comme ça voilà, je verrai ce que j'aurai. Et si moi je vois pas, je me souviens pas de ce que j'ai. Donc c'est ce détail là qui est un petit peu problématique, mais voilà, IKEA me sauve avec leur boîte transparente, donc c'est très bien. Donc voilà, pour finir, la journée est quand même déjà 20h. Nous on va aller se faire une petite raclette, la première de l'année. Donc je vous dis à bientôt.